pelé, épépiné et taillé en bâtonnets, un poivron rouge, le disposer dans la casserole, le parsemer de sucre roux. Il faut rappeler que le sucre roux se compose de 85 à 99,5% de saccharose et de certaines impuretés qui lui donnent sa couleur plus ou moins accentuée et sa saveur caractéristique. Ajoutez les graines d'une gousse de vanille fendue en deux, remuez et laissez confire pendant 20 minutes sur feu doux. Il faut quand même rappeler pour ceux qui font des confitures que la tendance actuelle est de mettre environ 800 g de sucre pour 1 kg de fruits. On peut dire que c'est la proportion moyenne à retenir, car s'il n'y a pas assez de sucre, la confiture fermente et s'il y en a trop, elle cristallise. Retirez les gousses de vanille et versez la confiture de poivron rouge directement dans le pot. Portez l'eau à ébullition. Ajoutez le sucre en morceaux. Prélevez les zestes d'une orange. La précaution à prendre, bien sûr, il faut toujours laver, que ce soit les oranges, les citrons ou les pamplemousses, parce que ce sont souvent des produits qui sont quand même traités. Traités, hein. Voilà, exactement. Ajoutez les feuilles de laurier. Faire réduire d'un quart. Épocher les pruneaux à ébullition pendant juste une minute. Les réserver dans un saladier et les laisser refroidir avant de les entreposer au réfrigérateur. Disposez les pignons de pain sur la plaque du four, les saupoudrer de sucre glace et les dorer au four pendant une minute en position grill. Les remuer 2 à 3 fois en cours de cuisson. Dressez la confiture de poivron dans le fond des coupes. Répartir les pruneaux accompagnés d'un zeste d'orange et parsemés de pignons de pin grillés. Confiture de poivron rouge, pruneaux au sirop d'orange et pignons de pin. Pour 4 personnes, 2 poivrons rouges, 200 g de pruneaux, 1 orange, 2 feuilles de laurier, 100 g de pignons de pin, une gousse de vanille, 150 g de sucre en morceaux, 150 g de sucre roux et une cuillère à soupe de sucre glace.